Bienvenue, aujourd'hui nous sommes à Marseille, la Friche, Belle de Mai, nous allons vous présenter la radio Grenouille. Média libre, média de l'espace culturel et création du son, nous essaierons d'en voir un peu plus sur cette radio Grenouille. Alors, je m'appelle Julien Kirsch, j'ai 28 ans, je suis chargé de projet, donc je m'occupe de projets, principalement d'un projet qui s'appelle Radiolab, qui est une plateforme d'initiation et de perfectionnement aux pratiques radiophoniques à destination des étudiants. Les valeurs de la radio, alors la première ce serait la liberté quand même, il y a quand même une recherche de liberté, une liberté de ton, de parole, de sujet, le partage, on essaye d'être sur plusieurs tableaux, c'est-à-dire être à la fois dans le proche, dans le local, mais aussi être ouvert au monde. Enfin, je dirais la transversalité. Grenouille n'est pas qu'une radio, mais il faut savoir que c'est deux associations qui fonctionnent ensemble. L'association des Amis du Théâtre Tourtzky, voilà, ça c'est l'antenne Radio Grenouille, et il y a l'association Euphonia. Et donc, ces deux associations fonctionnent ensemble et on porte des projets qui ne sont pas, à proprement parler, de la radio telle qu'on l'entend. Alors, Radio Grenouille s'inscrit dans le champ des radios libres, dans le sens où c'est une radio non commerciale. Il y en a quand même beaucoup en France. Ce sont des associations qui ont des subventions, et donc elles ont aussi des missions d'intérêt général. Bon, ce modèle est en train quand même d'être mis à mal. Il y a de moins en moins d'argent dans la culture. On va vers une transformation. Enfin, le modèle qui existait n'est pas éternel. Les radios dans les années 80, à la libération des ondes, c'était des radios associatives, voire pirates. Et puis après, se sont montées en associations. Elles ont eu de l'argent pour faire ce qu'elles faisaient. Et au début, les associations se présentaient auprès d'une collectivité. Ils disaient, voilà, moi je veux faire ça. Et la collectivité, si elle était d'accord, donnait de l'argent. Aujourd'hui, ça se transforme, enfin avec le temps, ça fait quand même 30 ans, les choses ont changé et les collectivités imposent des missions, des axes, des angles donnés, précis. Et donc il faut les respecter, il faut trouver, il faut modifier ces cadres et à la base on se retrouve à faire des choses qui ne sont pas forcément dans notre corps de métier à proprement parler. Alors Radio Grenouille est aussi indépendante, on n'a pas de compte à rendre sur nos contenus, on n'est pas encarté politiquement, on n'est pas dépendant d'une structure en particulier. Radiolab, c'est une web radio. Donc on met toutes nos productions sur un site internet, radiolab.fr. En fait, en général, on part sur un thème. On a fait Halloween, on a fait médiéval pour l'instant. Et voilà, pendant une heure, on fait des chroniques, des interviews sur ce thème, une programmation musicale, enfin une vraie émission pendant une heure. Pour aider la grenouille. Ou adopter un tétard. Rendez-vous sur www.radiogrenouille.com.